trop désolé. Hein. Désolé, je voulais faire le direct à l'heure, mais on m'a appelé. C'est un appel important. Je ne pouvais pas découcher devant vous. Comment vous allez, Jess Follow? Ça, c'est le truc que j'ai cuisiné. Je vais même manger là parce que là, j'ai faim. Jess Follow. Attendez. Non, attendez. J'ai là. Quoi, c'est ça? Non? Ah, pardon, je ne sais même plus ce que Dame m'écrit. Yes, follow. Bon, je mets comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bon, là, maintenant, je vais maintenant partager ici dans mon, sur mon mur. Ah, me salue d'abord, hein, parce que j'aime bien quand vous me saluez. Je n'aime pas quand vous venez, vous ne me saluez pas, non? On n'a pas dormi ensemble beaucoup, même le même si on dort ensemble, ça vous me saluez. Allez, je partage ici. Voilà, j'ai partagé. Voilà, attendez. Bon. Je vais maintenant partager. Voilà, vous me saluez d'abord parce que je ne suis pas votre. Coucou Océanité, comment tu vas? Merci. Bonjour, voilà. Vous me saluez d'abord avant qu'on commence. Vous savez que moi, j'aime donner mon point de vue et ça ne chauffe pas. Hein. Moi, je m'en fous. Parce que quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis c'est pas bien. Chacun. Après, c'est mon point de vue. Pendant que vous vous connectez, moi, je mange vite mon. Les commandes, même les gens d'ici, même. Et les bas épinards avec l'arachide et le poulet. Mais c'est très bon. Bonjour. Wounds. Mais moi, je voulais mettre la viande fumée. Mais, ah non, mais le poulet. Ah, en tout cas. Coucou, diamant de bleu. Diamant de Dieu. Partagez le live. Adieu, coupe tissu à fatiguer du poulet en France. Coucou, linceur. Zara Marron, attendez, ouais. Pointez-vous. Bon, moi, pour ça, je mange un peu. Les enfants qui ont gardé un bel maman, est-ce qu'ils connaissent manger beaucoup? Bonsoir, Junior, tu es mort, comment tu vois? Merci. Bon, pointez-vous. Déjà hier, vous avez vu qu'on a fait le direct hier tard. On parlait de tout et de rien. Et j'ai mes gens qui viennent tout me suivre. Même si on est 20, même si on est 10, on me suit, on parle de notre connerie. Pas des conneries, on parle de tout et de rien. À votre santé. Alors, aujourd'hui, je me lève, je vois cette coupure. Attendez. Partagez le live. Vous ne venez pas voir quelqu'un, vous ne partagez pas son live. Ce n'est pas normal. Hmm? Comment ça s'appelle les gens? J'ai vu ça. Moi, tu m'as vu manger le. C'est rare. Hein. Comment fidèle noir, comment tu vas? Quand je fais les petits déjeuners, vous me dites que balata. Foutez-moi la paix. Reine mère bio. Je me sens voir. Tu vois, quand c'est coupé. Bon, quand ça défile le matin. Est-ce qu'elle a mis ça où? Ah. Je n'ai pas la. Ce n'est pas ça ici. Non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Océanité. Toi, au moins, tu as partagé. Je sais si c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est. Il faut que j'aille sur mon profil normal. Bon, je me connais sur mon profil. Pense à vous partager. Alors, officiel. Moi, je ne comprends plus. Ma soeur, je ne te comprends pas en ce moment-ci. Moi, honnêtement, je ne te comprends pas. Hein? Ah, tu as bien dit Lily Mira. Et elle ne connaît pas le goût de la musique qui a dormi. C'est très bon. Quand ça dort, maman,
La nuit qui a dormi est meilleure même plus quand je viens de cuisiner. Tu as bien répondu. Partagez le live. Il y a déjà 8 partages. Merci. Alors, merci pour les partages, mes amours. Alors, maintenant, je vais taper la reine Mebio. Et je trouve ça vraiment pas gentil. Ouais, reine Mebio, même. C'est ici. Reine Mebio. Voilà, reine Mebio. Meet and Love, oui, c'est elle. C'est elle. M'assiste-tu? Attendez. Je vais faire ça. Voilà, ça, on va commencer. Je t'ai dit que ouais, qui est le Seigneur, comme un fils. Et quand j'ai eu ta vie, je couvrais sa toile. J'ai demandé à mon sang d'aller voir ma panne. Ma panne est partie voir cette fille. C'est moi qui ai donné le numéro de mon sang à ma panne. Ma panne est allée voir cette fille. Cette fille, elle est morte, la fille, il a fait le ciel, il a fait la vie. Je n'ai pas entré dans les détails parce que ça touche une association. Ça touche une association et en jouant, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va affecter l'association. Et moi, je ne vais pas jouer ça. Ça ne sert à rien. Alors, je vais m'adresser à Nicole. Merci beaucoup, Lily Mira. Tu es un amour. Merci beaucoup. Nicole, toi-même, tu sais que je t'ai beaucoup aimé. Je t'aime beaucoup. Mais vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord, merci, on est à 15 partages. Je ne peux pas être d'accord avec ce que tu fais actuellement. Je ne peux pas être d'accord qu'on enlève les émotions. Je te dis toujours, et comme je l'ai tapé ma main sur la toile ici, j'ai dit que Nicole a le droit de se défendre. Parce qu'un parent ou un enfant, qu'on publie la sérologie de sa maman, ou bien que sa maman, on met sa main sur les réseaux sociaux, même moi je vais me déshabiller. Que ce soit les bonnes guerres ou les mauvaises guerres, ce côté, un enfant a le droit de défendre même sa maman qui a la lèpre, ou qui a les coups pieds, ou qui est naine. Un enfant a le droit de défendre sa maman, Nicole. Mais je vais te dire quelque chose, ce que tu as en train de faire là, tu mets le nom de ma pépé devant, parce que tu as dit que la reine galloise, ma pépé a tendu la main à la reine galloise, et qu'est-ce que la reine galloise a fait en retour? Mais Nicole, là, tu es en train de t'attaquer. Ce n'est plus le cadre du Ndjapap. Là, maintenant, c'est le cadre des œuvres humanitaires. Hein? Là, c'est le cadre humanitaire. Parce que quand tu parles comme ça, ton tu as dit d'attaquer ma pépé, et je commence à m'interroger. Parce que là, ton combat, c'est toi qui fais tes choses sur Facebook. Tu combats avec les flores, avec les ceci, avec les tout, les lions, les tout. Toi-même, tu n'es pas facile. Tu es une ténace. Mais ce que tu fais là, tu es en train de toucher ma pépé indirectement. Coucou, ma galerie, bienvenue. Bipé les gens. Tu es en train de toucher maman pépé indirectement. Pourquoi? Parce qu'il y a le Japa à part, il y a les œuvres humanitaires à part. Quand tu peux toucher Asda, Asda n'est pas différent. Comme la reine Galloise s'est expliqué que ma pépé l'a soutenu, elle aussi, elle a soutenu ma pépé. C'est normal. Laissons les clashs, parce que la reine Galloise a eu à faire des petits clashs, comme ça, il y a eu à clasher. Mais hormis ça, elles ont des œuvres humanitaires qu'elles doivent faire. Il est hors de question qu'on quitte de nos concepts d'une Japa, du clash. Tu pars t'attaquer sous prétexte qu'elle a mis un enfant dehors. Mais si elle met un enfant dehors, comment dire que. Un de perdu, 10 de retrouvé. C'est ça qui est bien, non? Non, honnêtement, je ne sais pas là actuellement, Nicole, je ne peux pas te soutenir dans ce genre de choses. Elle ne t'a rien fait. Coucou Marie, comment tu vas? Ça va, ma cour? Hein? Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Si c'est parce qu'elle a fait une photo avec Flo où Flo portait les pieds, les sabots là, que vous disiez que les pieds ont fait quoi? Et tout. Ta cible que toi, tu dis que tu combats, ça doit rester que sur Flore. C'est pas parce qu'elle a porté de Flore qu'elle va venir prendre les pots cassés. Je suis désolé. Elle n'a rien fait. Et je vais dire au TK, c'est que il faut conseiller Nicole de fois de. Si c'est la guerre, allons en guerre. Si c'est la guerre, allons en guerre. On est d'accord. Si ce sont les guerres, allons en guerre. Mais quand ça touche les œuvres humanitaires, vu que notre mère bébé fait aussi la même chose, on ne touche pas les œuvres humanitaires de quelqu'un. Je ne vais pas te dire ça, ma langue est Ngumba, tu ne vas pas comprendre. Anéo, tu ne vas pas comprendre. Donc, mieux, je te le dis en français. Tu dis que Asda fait quoi? J'ai l'impression même que tu devais me dire comme Toby.
Vous avez bien l'étude. Tu veux partir voir Brian là-bas. Allez. Moi, j'ai l'impression que tu es même comme Toby maintenant. Tu es déjà comme Toby. Ou vous partez de gauche à droite. Vous partez de gauche. Je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère que tu fasses ton combat. Comme tu veux faire ton combat. Moi, je ne peux pas t'empêcher de faire ton combat. Ce qui touche ta famille, ce qui te touche, lui. Mais les œuvres humanitaires de quelqu'un, non. Parce que je vois là, ce n'est pas beau. Non. Moi-même, quand je fais mon combat, je suis sur la cible de mon combat. Je ne me disperse pas. Parce que quand je me disperse, ça fait de moi comme quelqu'un qui n'est même plus normal. Je suis désolé. Non. Tu laisses Asda tranquille. Parce que même si elle a mis une personne dehors, on ne connaît pas le fond de l'histoire. Toi, tu connais pas ce qu'on t'a raconté là-bas. Et puis même venir d'abord verser les choses. Tu connais le nombre d'enfants autistes. Dans ma famille, j'ai une personne qui est autiste. Donc quand je regarde ça, c'est moi-même qui ai dit à la reine galloise que quand j'irai là-bas, au Cameroun, j'irai faire toi Asta, même si c'est une enveloppe de 100 000. Parce que j'ai un frère, quand j'ai dit un frère, c'est un cousin moi qui est autiste, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'autisme grave. Mais je ne comprends pas. Ma pépé aussi fait les œuvres humanitaires. Donc quand tu peux t'attaquer aux œuvres de ma, tu compares même ma pépé. Compare ma pépé dans les clashs. Ne compare pas ma pépé dans les affaires des œuvres humanitaires. Il y a le don. Je vais te dire, tu ma soeur. Prends à manger. Même toi qui donnes 100 sacs de riz à un orphelinat. Aux orphelins. Et moi qui pas donné un seul sac devant Dieu. C'est le geste. Il y a même d'autres qui donnent 100 sacs. Mon fond. Ils donnent ça pour se faire voir. Devant Dieu, ce n'est pas accepté. Mais moi qui pardonne un seul sac avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'affection, Dieu considère mon offrande parce que je l'ai donné avec un cœur et tout. J'ai pensé aux démunis. Mais tu ne touches pas les associations. La reine galloise, elle s'avoue qu'elle a commis sur Facebook. Quand tu tombes sur elle, là, tu tombes même sur la reine galloise par rapport à quoi? Tu tombes sur la reine galloise. Par rapport à quoi? Dis-moi un peu ce qu'elle a bien pu faire là. Elle fait Asda. Elle ne clash plus les gens ici sur Facebook. Elle parle, c'est mon Dieu. C'est ce qu'elle fait ici sur Facebook. Elle mange ses gombos. Elle fait ses sketchs. Elle marche avec les talons. Et tout. Elle dit que mon Dieu, mon papa. Ça va voir ça plus sur Facebook. Mais elle a fait quoi de mal entre temps que nous on a raté l'épisode? Et tu veux venir saler son association par rapport à quoi? On t'a pas dit qu'on ne touche pas, on ne touche pas le fonds de commerce de quelqu'un. C'est même pas bon commerce. On ne touche pas les œuvres humanitaires de quelqu'un. Nous sommes d'accord, non? On ne touche pas le fonds de commerce de quelqu'un. On ne touche pas les œuvres humanitaires de quelqu'un. Non, je suis désolé. Ce n'est plus une guerre. Ce n'est plus une guerre. Ça devient de la frustration. Je suis désolé. Parce que je n'ai pas voir que la reine Galloise danse. Je ne vois pas la reine Galloise clasher tout le temps, je ne la vois pas. La reine Galloise fait ses choses. Elle mange son gombo. Elle appelle Luther. Hein? S'il faut qu'on aille dans les résumés de ce que chacun fait sur Facebook. La reine Galloise dit, Luther fait que la maison a brûlé ici que. Oh mon Dieu, mon pas. Oh, son âme est une fille, papa. Le gombo, parce que ma voisine qui avait, je te dis un peu le vocabulaire de la reine galloise. Oh, ma voisine, il y a le, c'était la fête du mouton, sa voisine, c'était le sketch même, ne voulait pas la prendre. L'autre jour, elle nous explique que sa voisine a senti l'odeur du gombo. Comme elle est musulmane et elle est aussi sénégalaise, elle veut venir manger le gombo chez elle, mais elle ne lui donne pas le gombo. Je ne vois pas là où elle clash les gens. Elle fait de l'humour, en même temps, elle fait la publicité. Elle parle de son association. C'est ça, non? Moi, je ne vois pas parce que, tu sais, je vais te dire, ma soeur, Perpétue Maliba fait ses œuvres humanitaires depuis longtemps. C'est vrai, les orphelins et les prisonniers et autres. Les œuvres humanitaires de Perpétue n'ont rien à voir avec les clashs de Perpétue. Les œuvres humanitaires de Perpétue n'ont rien à voir avec je soutiens ma Pépé, mais je mets son truc. Non. Parce que tu ne peux pas venir comparer. Tu demandes la reine galloise que la reine galloise a reçu l'argent de Perpétue, que Perpétue a soutenu. Mais vous voyez, elle a riposté qu'elle aussi l'a donné. Mais tout ça, c'est pourquoi? Quand on aime quelqu'un, on ne touche pas son.
Parce que je ne peux même pas dire le gagne pas le perpétue. Perpétue son bien-être. Elle aime ça. Elle aime aller donner. Elle aime voyager, profiter, donner à manger aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. Moi, je ne pense même pas qu'elle peut faire deux voyages. C'est qu'elle est fatiguée. Hein? N'insultez pas sa mère ici. Ma frère, moi, n'insultez pas sa mère ici. Par exemple, vous insultez sa maman que le sida passe sur mon direct. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Ce n'est plus la guerre que tu fais. Tu te disperses même. Tu ne te... Je dis, ce n'est pas en faisant que tu te disperses beaucoup. Quand tu fais ton combat, tu ne me vois pas venir dire une école. Parce que je connais, regarder. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je vais finir par vous bloquer si vous ne me connaissez pas. Elle est vraiment tombée. Bah, ben oui, c'est vrai, ça n'a rien d'aime. Coucou, Émérance, au lit. C'est honteux. Tu te disperses et tu mélanges. Après demain, ça... non, laisse un peu. Voilà Asda qu'on voit. Asda nourrit beaucoup d'enfants autistes. Si elle a chassé un, toi tu as été de toucher Asda là, mais toi tu l'as permis qu'on parle de ta famille ici. Je suis désolé, Nicole. Nicole, je suis désolé. Tu as parlé d'Asda ici. Tu as venu dire que oui, j'avais envoyé chez Jacques. C'était chez Jacques. C'était chez qui? Votre, les noms même de vos stands du blog là que je ne maîtrise même pas. Où je suis allé voir où c'est quoi. Et puis la personne, oh, tu as chassé l'enfant. L'enfant, la mère a bien habillé l'enfant. Si elle enlève un enfant Asda ou deux, et puis derrière, il y a 400 enfants qui mangent sans soigner. Le problème, il est où? Si tu vois que tu es capable, tu as un bien nom, tu peux ouvrir une association aussi des autistes. Tu prends tout ce que la graine galloise chasse là. On ne touche pas une association. Je suis désolé, maman. Il faut arrêter de faire mes combats. Moi, mon combat, c'est de gagner mon argent par jour. Mes combats, c'est de payer mon loyer. Mes combats, c'est de manger. Mon combat, c'est que si ma mère est malade, je dois avoir même 1 euro. Il y a 800 enfants, oui. Mais comment est-ce que si ma mère mettait les cœurs, je ne peux pas parler, je ne mets pas les cœurs dans mon direct. Je te donne un conseil en tant que frère. Mon combat, ce n'est pas les connaître ici. Je vous ai toujours dit, toi et Toby, vous devez trop mettre vos organes dans métal. Vous ne vivez que de métal. Ce n'est pas ça une vie en Europe. Je vais te dire ça en quelle langue. Je vais te dire ça en quelle langue. Tu vas tomber sur une association. En de temps, tu as même vu être que sa soeur cancer. Donc, elle est ma pépé. Non, pas le problème. Ne touche pas les associations. Le clash n'a rien à voir avec. Ne mets plus le nom de ma pépé. Si tu veux parler des associations et autres. Parce que ma pépé, elle-même, elle est l'une des pionnières des associations à leur donner à manger et les trucs, les scolarités et tout. Même les orphelins, les ceci. Elle est la première à faire ça. Il faut arrêter. Je ne sais pas lesquels combats. Tu combats toi, oui. Là, on est d'accord. Mais tu vas tomber sur la reine galloise par rapport à quoi? Donc, ça veut dire que si demain, je prends un exemple, si demain, moi, je fais mes choses, parce que peut-être tu as un problème avec Flore, moi, je suis à côté de Flore, mais pas une photo, c'est pour autant que tu vas m'insulter. La dame, elle ne clash pas. La reine galloise ne connaît pas clasher. Même si qu'elle a même fait là, vous voyez que c'est malgré elle. Elle a deux enfants autistes. Tu aurais quand même dû réfléchir, Nicole. Tu sais ce qu'on appelle pousser. Toi, tu parles tout le temps qu'on s'attaque à tes enfants ici. Je suis désolé qu'on s'attaque à ta fille. Comme ça, elle va envoyer vous mentir. Je vais finir par vous bloquer. Je vous dois là et puis là. Je vous dis la voix ici. Parce que quand je vais attraper encore un commentaire qui vient dire les inepties, si je le bloque. Tu dis tout le temps qu'on a caricaturé ta mère, tes enfants. Ça, c'est le truc qu'on ne touche pas. Mais quand toi, tu parles d'être touché Asda, est-ce que tu te rends compte que c'est une. Comment on appelle ça? Est-ce que tu te rends compte que c'est une dame qui a deux enfants autistes? C'est ce qu'on appelle un enfant autiste. En plus, c'est l'autisme sévère. C'est que les enfants, l'autre jour, même le fils a brûlé le canapé, aux gens qui étaient là et tout. L'autisme, c'est. Bon, ce n'est pas pour injurer. En Afrique, on les appelle les enfants mongols. C'est la vérité. Quand c'est sévère, mais ce n'est pas que je suis des enfants. Mais bon, maintenant, on est en Europe, on connaît qu'on appelle ça l'autisme. En Afrique, on appelle ces enfants mongols. On appelle ces enfants mongols. Mais une maman qui a fait comme ça jusqu'à deux. Donc, la cause qu'elle a en train de lutter là, elle lutte d'abord parce qu'elle a porté deux enfants autistes. Nicole, on ne touche pas les choses des gens. On ne touche pas les choses des gens. Elle est maman de deux enfants autistes. Quand tu me vois même faire mes sorcelleries sur Facebook, tu m'as déjà vu moi venir toucher Asda. Je vais aller toucher Asda que ça va commencer par où? Je ne la calcule même pas parce que c'est qu'elle est dans son couloir.
Et son couloir est un couloir qui est noble. Ce n'est pas pour lécher les bottes à la reine Gala, je n'ai jamais causé avec elle. Je ne connais même pas son numéro. Je guette toi ses murs sur murs, peut-être quand ça passe sur mon fil d'actualité comme ça, oui. Je ne comprends pas. Mais comment vous, tu te lèves, tu t'attaques, tu dis que tu vas venir mettre les voix et tout. Tu crois que bon, donc du coup, ça veut dire que tu n'es pas différent de ce que Flossé a fait des audios de ta maman. Je suis désolé. Tu viens menacer l'association des autistes. Non, mais franchement, Nicole, il faut arrêter ça au bout de moi. C'est qui te conseille alors qu'elle vient te conseiller. Non, honnêtement. Non, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je prends les coups ici, les balles, je me fais même pas insulter, mais je prends des photos, je publie, je dis joyeux anniversaire, je dis ceci, peu importe celui qui n'est pas content, moi j'assume quand j'aime bien quelqu'un, mais je dis aussi la vérité que non, ce n'est pas ça. Parce que là, ce que tu as fait, ma Pépé ne mélange pas, ne prends plus le nom de Perpétue pour les choses de Dieu. Si tu t'attaques à Asda, ne mets plus le nom de Perpétue. Et je suis à Rouen, c'est à Rouen. Ne mets plus le nom de Perpétue. Perpétue elle-même fait ses œuvres humanitaires. Ne mélangez pas le gain-pain ou notre travail pour venir mettre dans le clash. Ce n'est pas pareil. Vous vivez trop de Facebook. Je t'ai déjà dit, toi et Toby. Vous deux. Tous ces sous-règlements. Vous oubliez même pas des choses. Quand je sors la scène, je ne t'insulte pas. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Tu dis que ta mère est ton combat. Je t'acclame. C'est ta maman, mais la reine Gallo, c'est son combat, c'est pour que les enfants autistes, elle est née au Cameroun, c'est un, je crois même que c'est un combat noble et louable. Elle est née au Cameroun, elle a accouché deux enfants autistes, on les voit tout le temps. Comment elle se bat seule, femme seule dans ce pays-ci, elle n'a pas de mari, elle doit s'occuper de Asda, elle doit, et elle est partie faire Asda elle-même avant que les dons n'arrivent de partout. Parce qu'elle a pensé aux enfants autistes, elle a pensé qu'on les maltraitait. Et c'est vrai qu'on les appelait soit devant les enfants serpents, les enfants mongols. Mais ce combat est louable. Tu peux partir prendre un truc qui est noble pour venir mettre dans la boue de que tel a dit que l'autre a le sida, l'autre a dit que le gros cul, l'autre a dit que oh, tu fais aborder. C'est quoi ça? Vous mélangez le Congo ça avec la vie réelle. Vous mélangez le Congo ça avec les vraies choses. Donc si tu fais ça, ça donne, demain tu vas faire ça, ma bébé. Non, je me pose, je m'interroge. Est-ce que tu m'as vu moi si, par rapport aux humanitaires de Perpétue, moi, sur ce je peux venir parler à Perpétue n'importe comment. Une personne a dit que Perpétue partit de deux sacs de riz. Je suis venu dire que même si c'est un demi-sac de riz, au moins la fin, on a vu. Vous allez vous mélanger tout. Vous mélangez tout. Reine Galois, je veux plus que tu parles de Asda là. Si elle veut mettre les vidéos dans la caméra, les audios. Et ça va changer quoi? Ça a changé que moi, après le 8, le 2 novembre, quand je vais aller au Cameroun, je vais aller faire un tour à Asda, même si c'est 50 000 d'autres, même si c'est 100 000 d'autres, c'est petit. Ça changera quoi? Mais en fait, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle les combats, en fait. Donc, ça te fait même plaisir, donc je me rends compte que. Non, non. Mieux but, si tu veux venir insulter Nicole, je ne te prends pas. Si tu viens insulter Nicole, je te fais descendre tout de suite. Moi, je ne joue même pas avec toi. Je te dis d'abord. Si tu insultes Nicole. Mais ça ne prend pas. Mais but, ça ne prend pas. Renvoie l'appel. Renvoie l'appel, ça ne prend pas. Sors du direct, tu rentres, tu envoies l'appel. Mais c'est quoi cette honte-là? Tu mélanges tout. Donc, ça veut dire que tu vois que moi, bon, je prends un exemple, quand moi j'avais voyé mon petit frère Nibakine. Donc, tu pensais que tout ce qui allait être à côté de Nibakine, j'allais les clasher, j'allais les salir. Mais vous parlez même de quel combat? De quel? Non, mon Dieu, mais de quel combat parlez-vous? Parlez-vous? De quel combat parles-tu? Ah, mais lui, tu parles, commente. Envoie un commentaire ici en bas. Commente un peu pour que tu envoies l'appel. De quel combat parles-tu? Tu as fini le combat de ta maman. Ton combat, tu as fait un combat. Est-ce que tu as vu même ma bouche pas dedans? Et même, c'est même moi qui t'ai apporté mon soutien. Est-ce que non, tu as le droit de te défendre? Mais c'est pathétique. Tu quittes ton combat pour aller tomber sur une petite dame qui se bat pour la cause de ses propres enfants qu'elle a mis aux entrailles. Ses entrailles, les enfants autistes et les TKC ne te conseillent pas. J'ai avait un jour que ça de Monaco te conseille. J'ai vu qu'il s'est Monaco te conseiller un jour d'un pouce. Parce que lui, quand ça ne va pas, lui dit ce qu'il pense. Il est comme moi. Non, non.
Sors du direct, tu reviens. Sors du direct, tu viens, tu commandes. C'est quoi même ton problème? Vous dormez les combats. Vous dormez les combats. Où je suis là, j'ai un objectif. Il faut que tout aujourd'hui, 350, 400 euros. Donc vous pensez que moi, je vais perdre mon temps alors que Mbeng a le dire, Mbeng a l'argent. C'était des passes, donc tire la valise. Tire la valise comme moi, si je ne connais pas, appelle-moi, je te dis comment tire la valise. Merci de rien. Viens tirer la valise avec moi si tu veux. Même en restant dormi, en venant vouloir prouver aux followers, tu te déroules déjà. Quand tu partais en insultant la reine Galois, en traitant son asta, en traitant son dénigrant son asta, asta là fait quoi? Asta égale les enfants de ma pépé. Les deux se parlent. Parce que quand j'entends le dire de la reine galloise, elle dit bien que elle aussi, elle a ma pépé. Attendez, comment elle dit? Bonjour, Lumines. Allez, mets-moi ces histoires que tu comprends maintenant qu'elle s'est fait. Je suis désolé. Mais pour la chirurgie de sa mère, je ne peux pas dire qu'elle ne se défend pas. Arrêtez. Coco, attends, Mir, vous me dites. Coco, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Bonjour, Aris. Attends, bonjour, attends, Mar, attends un peu. Je veux répondre à un commentaire. Bonjour, tu comprends ma question. Je suis désolé, Mar. C'est pour la chirurgie de sa maman. Hein. Et tout ça, une maman qu'on a, même que tu es l'enfant, elle a le droit de se défendre. Continue, Mar. Bonjour. Bonjour, Aris. Déjà, tu es amendé chez moi, c'est amendé. Ça fait longtemps. Je n'étais plus venu envoyer l'appel ici. Ça fait très longtemps. Voilà, Waris, je veux juste voir là quoi. Je veux juste te faire comprendre. Quand tu as les enfants et qu'ils sont têtus, on accuse qui? La mère. Voilà, voilà, justement, voilà. Donc, quand tu vois les gens écrire que c'est compresseur qui est derrière, donne les témoignages. Non, 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 attends, non, je reviens. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Parce qu'il y a un faux profil, Diane Perpétue Maléba, qui a fait un courrier au bienfaiteur de la reine galloise, en lui demandant, qui a fait un courrier à ce monsieur-là, et le courrier est sur la toile. Juste pour te dire, Diane Perpétue Maléba, c'est un faux profil. Je t'ai posé une question au départ. Quand tu as les enfants, ils sont têtus, on accuse qui? La voilà, maman. Justement, voilà. Logiquement, attends, la S'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne suis contre personne. Mais je veux seulement qu'on soit logique dans ce qu'on est en train de faire. Quand quelqu'un sort de ta maison et qu'il part faire un poste pareil, toi, la mère, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut dire que si l'enfant. Quelqu'un sort, maman. Non, quand tu as ton enfant qui sort de la maison et qui fait un poste pareil pour nuire à une association, parce que ce monsieur Alain Fokala, c'est un très grand bienfaiteur de Asta, et qu'on lui envoie ce genre de courrier, tu te colles à qui, tu fais ceci et tout ça là. Est-ce que quand c'est toi la mère, tu vois ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Tu réprimandes l'enfant, mais laisse-moi te répondre. Tu réprimandes l'enfant, mais est-ce que tu connais ce qui se passe derrière? Ben, tous les stars le font. Parce que si elle avait réprimandé l'enfant, Nicole n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Si elle avait réprimandé l'enfant, moi, si on réprimande mon frère dans la maison, je ne ferais plus. Miss Boti, tu vas me rappeler parce que tu me poses une question et tu ne me laisses pas répondre. Je suis désolée, maman. Tu ne me poses pas la question et tu me poses. Non, non, non. Je suis désolé. Elle me demande que quand l'enfant sort, etc. Laisse-moi, je te dis aussi que bon, si l'enfant sort, et là, le problème, c'est que vous parlez de la vie réelle. Vous ne parlez pas du virtuel. Nicole n'est pas l'enfant de. Non, je suis désolé. Ne venez pas me commander. Je n'ai pas dire des abeilles. Je dis, elle me pose une question, pas un dialogue. Si elle veut, elle rappelle. Mais quand tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Tu les appelles pas dedans. Tu me demandes une question. Je vais te répondre avant que tu l'appelles. Alors, quand l'enfant sort pour aller faire un poste dehors, il s'agit de Nicole Kitcha, qui n'est pas la fille
de ma pépé, on va dire que ce sont les enfants virtuels. Maintenant, est-ce que vous savez ce que ma pépé peut-être derrière par la Nicole? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même Flore le fait, votre maman le fait aussi. Il y a des choses qu'elle va réprimander derrière. Moi, ma maman est appelée par derrière pour me réprimander que non. Pas réprimander que là, tu vois ça, là, ça, là. Non, c'est par derrière. Mais ce n'est pas tout qu'on amène sur les réseaux sociaux. Comme ma pépé peut-être peut voir, peut-être qu'elle a eu à parler avec Nicole derrière, mais elle n'est pas obligée de mettre ça sur Facebook. Une bonne maman, comme tu dis, ne vient pas, même si l'enfant a tort, je te renvoie la balle. Une bonne maman ne vient pas sur les réseaux sociaux réprimander l'enfant en public. Je suis désolé. Donc, quand vous me posez les questions, ne jouez pas sur les sentiments des appels. Posez-moi les questions cohérentes, je vous réponds, on s'écoute. Maintenant, tu peux envoyer, vous pouvez rappeler. C'est ça qui est ça. Ne me déroutez même pas. Donc, tu m'envoies l'appel pour me mettre. Tu me parles des balais. Il faut couper le chat perpétuel. Est-ce que moi, il n'y a pas de faux profils, maman? Non, honnêtement, est-ce que j'ai les faux profils? Moi, c'est parce que ce matin, j'ai vu la reine Nepio. Et si vous parlez pas, ça va vous bloquer. Alors, j'ai vu celle-là. Tu as fait ton commentaire, mais je l'ai vu ton nom. Je crois que tu as venu parler faux aussi chez moi. Elle vient de commenter, mais là, elle m'insulte, elle ne passe encore le commentaire. Alors qu'elle a commenté à oh, tu es malade, mamie. Quand je vais te bloquer là maintenant. C'est ça que je vous demande. Quand vous me posez une question, soyez cohérent. Posons et dialoguons comme deux adultes. N'amenez pas les deux. Est-ce que moi je suis un barcatama? Je te regarde le fait que j'ai vu chez la reine Nebio. Les coupures. J'ai vu chez les gars chez Nicole, chez la reine galloise. Regardez comment vous parlez. Est-ce que j'ai besoin de vous parler des faux profils? Vous croyez que moi je dors, j'ai un problème de haine? Le haut en forme de dit, moi, il dort, hein, regarde l'heure qui me souvient à mes yeux. Maintenant, on peut y causer bien. Voilà, Mibouti. Mibouti, merci. Voilà, je te reprends. Tu me poses une question, je te réponds. Ne m'amenez pas votre ne m'amenez pas les trucs de type bonjour, bonjour, désolé pour tout à l'heure. Tu m'as posé la question, je devais te répondre. Mais tu me laisses pas te répondre. Wale, tu ne m'as pas compris. Wale, tu ne m'as pas compris. Quand je suis entré, moi, je suis faux profil et je ne peux que te parler de ce que toi, tu n'as pas vu, que nous, les faux profils, on voit. C'était juste pour te dire que c'est une continuité que Nicole est en train de faire. Parce que quand quelqu'un fait déjà un courrier et envoie déjà un bienfaiteur d'une association, ce que Nicole est en train de faire, même là, c'est rien. Par rapport... Mais tu sais aussi que les abonnés ne sont pas sur les courriers. Par rapport à ce monsieur-là qui paie parfois les un an de loyer à Asda, on lui envoie... Non, pour ce côté, je suis d'accord avec toi, Emma, parce que je suis d'accord avec toi. Nicole ne va pas toucher l'association Asta. Et ça, vraiment, et elle doit se tenir compte que sa patronne, qui est compressée aussi, fait les œuvres humanitaires. Et j'ai aimé le retour de la reine galloise. Ça, je ne mens pas. Ce que moi, je ne suis pas faux, non. Moi, je dis ce que je pense. La reine galloise a dit que si elle m'a donné 500 000, elle lui a donné 600 000. Donc, c'est une entrée. Et elle dit même que non, comme tu vois là, c'est ma soeur cancer, un truc comme ça là. Nicole ne vient pas coller la tête des deux. Dit, ne mélange pas. Ne mélange pas. C'est ce que je t'ai vous dit depuis. Ne mélange pas le clash que tu fais avec les œuvres humanitaires des gens. Ce n'est pas bon. C'est comme si tu touchais mon pain au quotidien. On ne fait pas ça. Ça, mais vraiment, sa vraie nature est en train de sortir. Hein. Parce que tu as beau cacher qui tu es. Mais au bout d'un moment, ça sort, même tu ne te rends pas compte. Quelle méchanceté. Juste à ce point. Ouais, je vais te laisser. Moi, voilà, justement, c'est juste que je voulais te comprendre que le sabotage de la reine galloise a commencé depuis. Il y a des bienfaiteurs qui ont déjà reçu des courriers sabotant la reine galloise. Mais après, c'est que les faux profils aussi, ce que vous les faux profils, honnêtement, les vrais profils, qui, comme nous qui mettons le caméra, est-ce que les faux profils font non, sachez que les faux profils font du sale. Plus que vous qui... Les faux profils sont... Il y a les haineuses. Même votre reine... Ils ne comprennent pas que Meta, c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler. Quand tu viens... Oui, même ta reine a déjà dit auparavant, les faux profils... Je viens chez Waris, il parle ce qui ne me plaît pas. Je pars, je ne crie même pas, moi, je ne commente pas, je pars. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne le suis pas. Qu'est-ce qui a détruit la... C'est clair. Pas continuer ta route. Le jour où la personne parle bien, si ça te plaît, tu écoutes, tu peux intervenir, tu interviens. Félicitations. Hein? Mettez les cœurs. Tu sais ce qu'elle dit aux gens que vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part. C'est vrai que tu es un peu impulsif quand tu parles, mais impulsif. Bon, je te connais comme ça. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, moi qui n'aime pas ton blog, je ne sais pas. Et quand je t'aime, je ne commente pas. Parce que même
La reine mère, notre reine mère, il a dit cela que les faux profils là, ne soient pas mon nom. Parce qu'ils font là-bas, tu as beau leur dire si que non, arrêté, ils vont toujours faire. Donc il faut aussi qu'on passe, c'est vice versa, tu comprends? Quelqu'un parlait même mettre mon nom devant même faire du sale alors que c'est pas monsieur, même pas au courant. Même. Ok, Wari, c'est tout, voilà quoi, c'est voilà quoi, c'est tout, c'est tout vraiment ce que je voulais te dire. En fait, c'est une chaîne, les autres ont commencé, elle enchaîne et ça ne fait que continuer. C'est pour te dire qu'elle n'est pas la seule à le faire. Donc, il y a beaucoup de faux profils de la TKC qui sont en train de le faire. Voilà, c'est voilà. Voilà, je te parle de ce cas de la reine galloise principalement. Je te parle de ce cas. Voilà, qui a Nicole et beaucoup de la TKC qui sont en train de faire du sale à la reine galloise. Il y en a beaucoup. C'était justement pour que tu le saches. Donc, je ne suis pas là pour défendre, mais je dis seulement, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Non, je ne veux pas que tu voilà, c'est trop méchant. Ok, Wari, avant là, je suis en bas, je te suis. Ok. Merci beaucoup. Vous voyez, dans la vie, moi, je suis quelqu'un, j'aime le respect. Attendez. Ça, c'est mon bébé. Excusez-moi, mais écoute. Donc, je disais que moi, je ne suis pas là dans vos combats. Vos combats à la compte, c'est lui qui m'a envoyé l'appel, mais il ne vient pas pour insulter. Je dis que dès qu'à ces deux ma pépé, ils ont leurs œuvres humanitaires qu'on connaît depuis. Ne mélangeons pas le clash avec les trucs humanitaires. Je suis désolé. Moi, je sais que je te dis depuis longtemps. Parce que si même moi-même, je n'aime pas compresseur, en même temps, je clash compresseur. En même temps, je clash compresseur. On se clash, mais ce n'est pas pour autant qu'il va toucher son œuvre humanité. Je suis désolé. Et honnêtement, pour dire, quand tu as la reine, qu'elle n'a rien fait. Il faut laisser ça. Je suis en couple avec Fleur de Lys, entre vous deux. C'est entre vous deux. Je ne sais pas parce que quand sa coche se met à côté de Fleur, que tu vois forcément à son truc. Mais ce n'est pas comme ça. Elle n'a rien à voir, on est tous des adultes. Moi, je vais aller le 2 novembre. Mais j'avais dit à Fleur que non, par rapport à ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Par rapport à la mère de quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mon problème. Donc, tu vas venir t'attaquer à tous ceux qui vont venir faire quoi? Si tu n'es pas au courant, ne partage pas le direct. Qui ne partage pas le direct, devant vous en insulte. Vous parlez de quoi? C'est arrivé que dans les pages, même si tout le monde, j'ai mis à vue les stambres à Kata, si elle est souvent commentée, qu'on insulte, mais sur les collègues. Vous parlez même de quoi, mes mamans? Vous parlez dans Facebook, nous, on voit souvent, parce que ça va, qu'on ne voit pas. Donc, non, et même si c'est le clash, mais je ne suis pas d'accord pour les affaires que Nicole Kocha, moi, je me pose des questions, je m'interroge actuellement, parce que si tu t'attends déjà à la reine galloise et tu mets le nom de ma pépé, tu vois, ce n'est pas ma pépé qui t'envoie là-bas. À mon on le sent, non. C'est les guerres, oui, elle va venir peut-être, oui, mais n'oublie pas qu'elle même fait des œuvres humanitaires. Il y a les détracteurs, mais de ma pépé qui contribuent parce qu'ils savent que quand elle voyage là, c'est ça, c'est la vérité. Et même la soirée de Fleur le dit que voilà, il y a les détracteurs même qui seront là. C'est comme ça. Le game, c'est le game. Mais après, la vie réelle, ah, mine de rien, moi, elle aime pas dans ce qu'elle fait sur Facebook, mais elle fait quand même ça. Alors, je vais même dire, oh, c'est de ça qu'il s'agit. Tu peux pas venir prendre ton clash, tes problèmes. Les problèmes que vous ne pouvez vous apporter rien même. Je ne vous comprends pas, mais pourquoi de me glacer pour moi, mes mamans? Je me pose des questions, maman. Je suis dépassé. Parce que si tu commences à t'attaquer déjà,
aux enfants autistes. Et tu sais bien que les enfants autistes, elle en a deux. Elle en a deux. Elle en a deux. Le combat qu'elle fait là, c'est les pleurs d'une maman dans la maternité. Qu'elle voit comment elle élève, elle n'a même pas un mari auprès d'elle. Non, vraiment, franchement, non. Elle part même jusqu'au Cameroun. C'est elle qui fait connaître le nom des enfants autistes au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on ne connaissait pas. C'est nous ici en Bengui qui connaissons ça. Ne mentons pas. Quand t'es petit, on connaissait les outils. On ne les connaissait pas. On les appelle les enfants mongols. Les enfants font. Après, on te fouette. On fouette. Et vous, on dit sorcier, enfant sorcier. C'est reconnu. Donc, si aujourd'hui au Cameroun, on valorise un peu les autistes, celle qui a mené ça, c'est la reine galloise. C'est la reine galloise. C'est la reine galloise. Ne sois pas ignorante. C'est la vérité. Ne mélangez pas vos guéguerres. Vos guéguerres à la con pour aller mettre dans les combats. Nous. Qui est la première blogueuse à l'époque? Parce que tu ne te rends pas compte que ta star même. Je commence à pas. Vous savez, je regarde, mais c'est pas, moi j'aime Christian de Monaco. Lui, il tape souvent sec, bim. Au lieu, il est à coup. Quand ça ne va pas là, il tape sec. Mais moi, je te dis, si tu aimes Perpétue, tu sais que Perpétue est allée voir les orphelins. Perpétue a bâti en Konigui. Elle a aidé nous ça. Tu vois, pas la pionnière des réseaux sociaux à faire tout ça. Elle, c'était Perpétue, les orphelins, les enfants démunis, les prisonniers. Maintenant, la reine Galloise, elle a pris son côté parce que. Dans chaque combat, dans chaque truc, il y a toujours chacun tout sa part. Moi, je combats les autistes. Toi, tu fais pour les orphelins et ceci. Et tout. Mais toi, tu vas venir mélanger tes trucs comme mon combat, ma maman, ma sérologie. Attends, moi, maman, t'étais de civière. Là, j'ai pris mon stage, j'ai bu dans l'eau comme ça là. Hein? J'ai bu l'eau. Je suis mort. C'est pas Tobi qui dit tout le temps que maman aussi des civières. Je suis pas mort. Mais après, tu es libre de concevoir. Et d'accepter ce que tu veux. Oui, tu es libre. Tu es libre de continuer. Moi, mais d'ailleurs, même, je trouve, moi, c'était même moi à ta place. C'est qu'il y a longtemps, mais j'aime me laisser tout ça parce que est-ce que ça va me rapporter quoi? Pareil, peut-être que la plupart de nous, tout ce que tu vois là sur les réseaux sociaux, c'est maman. Quand on fait le direct, c'est qu'on a nos agents. Si tu vois que tu as un agent en Italie, tu m'appelles, non? Tu viens ici en France, elle est balisée. Tu tires la valise avec moi, c'est fini, non? Tu tires la valise, c'est fini, non? Tu te fais ton argent. Ou alors tu trouves un travail ici en France. Ou alors tu trouves une promesse d'embauche. Si tu changes de pays. Ou alors là-bas, tu fais quelque chose, je ne sais pas. Moi, vous mettez, il y a toi et Toubillon, vous mettez trop vos organes dans le truc de Facebook que je ne comprends pas. Quand je pense qu'on me donne le débit, parce que c'est dans mon téléphone. Un débit comme ça, comme c'est 2 millions ou c'est 2 millions, combien? Je suis en train de chercher comment trouver les 2 millions et quelques là. L'argent est où? Il faut commencer à garder les 100 euros, le côté, les 50, les 60, les 90, un peu, pour que puisse envoyer l'argent. Vous vous dormez, mais vous voyez que Mbeka est facile, c'est là que Facebook. Non, honnêtement, je te le dis parce que je trouve que tu sors de ton concept, tu es dans ton combat. Oui, c'est normal, on ne doit pas me la serrer, ta mère, ça, je dis non. Je suis désolé, non. Ça, c'est normal que tu puisses te défendre en tant que l'enfant de quelqu'un. Mais honnêtement parlant, la reine galloise a quoi une fois dedans? Est-ce que son couloir parle du Congo, ça? Ce n'est pas un chant des soins à mes yeux ici tous les jours. Mbaba, les soins à mes yeux, baba, namaketam, baba, namagrenam, baba, tangiotum, baba. Ce n'est pas un qui parle que ma voisine vient manger avec les talons. C'est comme elle avait les grosses cuisses là, avec les grosses fesses. Quand elle marche avec ses talons, elle même sait qu'elle marche avec moi. Hé, je fais ma belle, ma belle. Vous voyez là, je suis la plus grande cuisinière du Congo. Elle fait rire les gens partout. Elle fait rire les gens là-bas. Sokoto, comme ça. Boumaillé. Elle-même sait qu'elle sait même qu'elle-même les talons là. Elle-même dit qu'elle fait l'angoisse. Mais c'est son humour. Et ça fait qu'elle joue avec son enfant. L'autre jour, son enfant est parti pour le cadeau, c'est le canapé. Ou c'est la maison. Oh, Luther. Oh, Luther. Oh. Non, mais quand même. Hey. Tu ne peux pas partir clasher. Salut l'association de la reine galloise. Et le TKC te laisse, non. Il ne doit pas te laisser. Il doit te réprimander. Que Nicole, on ne touche pas l'association. Ce n'est pas parce qu'elle a fait la photo et fait le livre. Je suis désolé. Moi, tout à l'heure, c'est quoi de proposer ça? Vous allez même peut-être voir les photos ensemble. Est-ce que moi, j'ai besoin de tout ça?
Même si tu m'as insulté, tu étais cassé. Ce n'est pas pour autant que même mélanger la situation de compression d'état. Soyez quand même honnête et logique. C'est quand il y a le combat à ça. Tu sors même déjà de ta zone de combat. Et puis même à un moment donné, tu laisses tomber. Honnêtement, tu laisses tomber. Moi, je laisse tomber parce que je sais que le temps que je perds, là, c'est passé le matin. J'ai vu, c'est dit que bon, je suis capable de midi. Après, moi, j'ai ma journée chez mon agent. Quand il commence à monter, descendre, c'est en Rouen. Monter, descendre, partir. Il va partir tout à l'heure, Ifto. Ifto, c'est avant le Havre. Je cherche mon agent. Vous croyez que j'ai le temps là à perdre? Mais n'est pas sûr que quand tu n'as pas l'argent, hein. Regardez, quand vous voyez les gros morceaux de poulet qui ne finissent pas là, vous pensez pourquoi? Vous pensez qu'on mange la viande tous les jours, on va aller voir son blessé parce qu'on ramasse tout seul. L'Europe, tu ne travailles pas sur l'hiver. Il faut arrêter. En plus, la pauvre dame de Touy. La pauvre dame de Touy, elle combat pour les autistes. Non, ma soeur, non, je n'aime pas. Honnêtement, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter ton couloir pour aller t'attaquer à cette dame qui n'a rien demandé. Elle a son combat noble. Où elle parle, elle a les enfants autistes. C'est pas comme si on dit que oh, la dame là vient là parce qu'elle veut l'argent, parce qu'elle veut escroquer. Non. C'est un combat noble et juste. Elle a deux enfants autistes. Et c'est elle qui a valorisé Coco Siné. C'est elle qui a valorisé l'autisme au Cameroun. Donc, tu peux continuer tes combats. Laisse l'association ASTA. Tu vas regarder au début en condos. Laisse l'association ASTA. Ça n'a rien à voir avec les clashs. Je n'ai jamais parlé à Reine Galois, sauf pour dire qu'elle est fin toi, ASTA. Parce que pour moi, elle est dans son couloir, elle est dans ses droits, elle combat comme une pancarte. Tu sais, toi-même, tu connais ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Moi-même, c'est depuis que je dois accoucher, je n'ai même pas encore ma grossesse. C'est sorti quand? J'attends, non. C'est mon enfant autiste, c'est ça, mon Dieu, connaissez que c'est le combat. Non, sérieusement. Ne soyons pas quand même, non. Et quand on fait un combat, on cible, on crée sa cible. On ne quitte pas, on ne se disperse pas. Tu m'as fait ça, je te dis, c'est toi. Moi, quand j'ai dit quelqu'un, c'est toi qui as dit, tu m'as compris. Je ne cible que toi. Je ne cherche pas les relais, bien les gens, toi, je te cible. Il faut arrêter. Même ça, mais insulte moi que j'en ai foutu. Mais c'est la vérité. Nicole est électron libre. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas électron libre. Je dis seulement qu'elle n'a pas le droit d'aller s'attaquer. Vous-même, vous parlez sur ici qu'on ne s'attaque pas au gagnant de quelqu'un. Elle n'a pas le droit d'aller s'attaquer à l'association de la reine galloise. Écoutez très bien ce que je dis. Si elle veut rester au Japon, elle est dans le Japon. Mais l'association de la reine galloise, non. C'est une association qui nourrit jusqu'à 800 enfants au Cameroun, qui soit 800 autistes. Il faut arrêter d'être diable comme ça pour profiter. Parce que si elle n'est pas la reine galloise, beaucoup même seront à mort aujourd'hui. Si elle n'est pas la reine galloise, beaucoup ne pourront même pas avoir de quoi manger les soins médicaux. Il faut arrêter. Arrêtez la manipulation, le mauvais cœur. Vous êtes en faux profil, même vous allez voir les gens s'insulter, vous venez raconter les commandements, vous venez raconter les inerties. Sans la reine galloise, 800 enfants au Cameroun, c'est beaucoup. C'est comme une ville. Il y a les villes même de 100 habitants. 800 enfants, c'est comme une ville. On est d'accord? 800 enfants qu'on nourrit, sans le personnel qu'on paye tout. C'est comme nourrir une ville. Nicole a fait pour Cameroun, on a vu moi, j'ai fait pour Cameroun. Qui est parti s'occuper des enfants autistes? Ma pépé même voyage, j'ai personne de la manger, j'ai perdu. Mais la reine galère jusqu'à vous, c'est toi, Asta. Il faut arrêter, hein. 800 enfants, vous savez ce que c'est vite, mourir 800 enfants. Elle est obligée de se courber, marcher les talons, dire, nous sommes à Menswing, bon, le bon, que je peux pas. Parce qu'elle fait sa publicité, pas la publicité. Elle parle de Asta, c'est plus une pub, non. Elle parle de Asta, elle parle des enfants autistes, elle sensibilise, elle touche les cœurs des bienveillants, qui lui donne de l'argent, qui l'aide malgré le loyer, payer le loyer, mais c'est elle qui passe sur place. Combien de voyages elle fait par an pour aller au Cameroun?
Combien d'enfants la reine galloise a déjà soigné, Nicole? Hein? Réponds-moi. Parce que si tu touches à la reine galloise, comme si tu touches maman, pépé, c'est deux. Je suis désolé. Hein? Combien d'enfants elle a nourri? Elle nourrit toujours parce que elle a ce qu'on appelle le siège, comment dire, social. Je crois même qu'elle veut même dire à ma maman d'aller faire un tour là-bas. Je ne sais pas si elle a ça à Yaoundé. Envoyez mon nom à la reine galloise par inbox. Je crois qu'elle va envoyer ma mère aller là-bas. Mais si elle est au Cameroun actuellement. Vous imaginez le boulot qu'elle a, maman, la tracasserie de ça. Prendre le train, le vol, aller au Cameroun, aller prendre les maisons, il faut bien se présenter, il faut faire ceci, il faut faire tout le temps. C'est elle qui n'est pas ministre, c'est elle qui a le corps. Imagine quelqu'un qui a le corps, comment elle fait l'énergie, parce qu'elle voit ses enfants. C'est elle qui doit s'occuper de ses deux enfants. Je crois qu'elle en a trois, non? Il y a deux qui sont autistes. Et elle doit s'en occuper. Oh, lutter là-bas, elle fait le foufou, elle met la bouche, les crash coulent, les pieds les suivent. Après, elle parle aussi, elle met là-bas. Non, franchement, mais je ne vous comprends. Non, mais où? Ce n'est pas un classe, c'est un juste là, juste très poli. Mais un débat, ce qu'on voit sur Facebook, il faut laisser la reine galloise tranquille. Bon, Nano, elle va te bloquer, ben, tu es une fauve, tu es une bête fille, tu comprends. Quand tu viens dire que les enfants n'ont que l'avenir, les enfants autistes que vous appelez à l'époque les Mongols, les enfants serpents, ou alors que c'est des enfants qui ont besoin d'amour. C'est ici en Europe qu'on a sur le monde autiste. Nous tous, on ne connaissait pas ça en Afrique. Et une personne se lève, elle part au moins, les soigner, leur donner à manger. Tu demandes qu'ils ont que l'avenir, tu sais quand même ce que cette dame a fait, petite ignare que tu sois. Tu connais ce que la dame a fait? Aller nourrir les enfants autistes qui sont rejetés par la population. Vous savez ce que c'est? Les soins médicaux, dormir, manger. Tu veux quel avenir, que tu veux quel avenir derrière. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Nano Bel, toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Vous ne connaissez pas la vérité. Vous venez savoir ça, vous faites de merde là. Pardon, efface-moi vite ton commentaire. Par exemple, vous êtes dégagé là maintenant. Très vite. Efface. Gardez-moi ça. Toi-même, tu es en santé, tu as quel avenir? Vous venez de dire que les enfants, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même plus de jugeote. Les enfants autistes, les enfants qui n'ont rien demandé à être comme ça. Ils sont nés seulement comme ça. On les nourrit, ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur faute. Et toi, tu viens en tant qu'humain. Ce n'est pas un dialogue si tu te moques des personnes faibles, des personnes démunies. Ce n'est plus un dialogue, c'est de la méchanceté. Les enfants que Dieu a créés comme ça, handicapés, c'est si tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu viens me demander que c'est quoi le. Tu veux qu'ils aient quel avenir? L'avenir, c'est qu'on prenne soin d'eux. Même à 40 ans, ils chient toujours sur eux. Il faut les nettoyer, il faut payer le personnel. J'espère qu'il y aura encore les gens qui vont accompagner à ce temps-là. Ou il y aura une autre personne sur Facebook, même dans le monde entier, qui pourra même prendre un ASDA demain, ou même pas ASDA, ou même faire une autre association, s'occuper des autistes. C'est très méchant. C'est méchant ce que tu me demandes. Que les enfants autistes là auront quel avenir? Mais l'avenir, c'est pour que le Cameroun demain puisse même ouvrir les centres pour s'occuper de les nourrir, les faire ceci, ceci. Même ici, à l'école, ici même en France, là où je vis, il y a des écoles pour les autistes et qui travaillent. Il y a les centres même qui s'occupent d'eux. Mais il n'y a pas ça chez nous. Reconnaissons la vérité. Et si une dame quitte comme ça, qu'elle a quitté le Cameroun, elle s'est immigrée, elle est partie là-bas, elle est. Bon, c'est une chance comme c'est une malchance. Bon, c'est même pas une malchance parce qu'elle a pris d'autres en couche même pas. Donc, elle a eu une chance d'avoir deux enfants autistes. Elle connaît ce que c'est l'autisme. Elle a su voir comment l'Europe ça se développe, comment on s'occupe des autistes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part donc maintenant dans son pays où on les délaisse parce qu'elle a le cœur d'une mère. Vous avez venu dire oh, elle mange derrière Asta. Et si elle ne mange pas derrière Asta, même si même c'est moi. C'est qu'elle mange 100 000, c'est manger. Pour qu'on dise comment ce qui signifie nourrir 800 enfants. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. 800 enfants, c'est lesquels? C'est équivalent à une ville. Il y a les villes de 500 habitants. Il y a les villes de
800 habitants, sans compter le personnel, et qu'elle paye. Quand elle masse les pieds des enfants autistes, vous êtes là-bas, le mauvais cœur de l'homme noir. C'est quoi l'avenir? Et tu voulais quel avenir? Ceux-mêmes qui sont comme ça, à part seulement qu'on s'occupe d'eux. L'avenir, c'est que demain, plus tard, on ouvre les centres, on s'occupe d'eux, on les comprend, on les masse, on les donne à manger. Il faut arrêter. Et c'est un bonjour. C'est de la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Dieu vous voit. Je ne peux pas m'attaquer à Asta de la reine galloise parce que la reine galloise a fait ce que les gens, elle a marqué le Cameroun. 800 enfants, 800 parents. Parce que c'est elle qui donne la chose au parrainage. Oui, merci. 800 enfants, 800 parents. Elle vit Changa. C'est quoi, Tchanya? Oui. On les éduque. On les donne à manger. Les parents, même quand ils viennent là, on donne la joie aux parents d'acheter les médicaments. Les enfants, non, mais quand même, oh, laissez la dame là tranquille. Nicole, laisse la femme là tranquille. C'est qu'elle fait là, c'est honorable. Il n'y a pas une personne du Facebook qui a fait ce que la reine galloise a fait. Je ne parle pas. Il faut dire la vérité. La reine galloise a ses locaux. Elle s'est battue, elle est là-bas, elle est là-bas, H24. Perpétue fait beaucoup de. Ah oui, il y a 800 enfants plus 800 parents. Perpétue, elle va tout le temps, tu vas vous donner les dons, elle rentre. Mais la reine galloise, elle a les locaux sur place. Il y a même d'autres personnes, il y a même beaucoup qui font les dons, même souvent qu'on voit souvent là les dons. Mais c'est les dons de temps en temps. C'est les dons de temps en temps. Mais elle est sur place. Elle part, elle vient, elle y a le loyer, elle fait l'objet de se ridiculiser en dansant. Wow, baba, oh, baba, baba. Elle donne son portée de talon, elle marche comme ça. Elle même sait qu'elle ne sait pas marcher les talons, mais elle pense quand même marcher les talons parce qu'il faut que ses bienfaiteurs rigolent et qu'on ait pitié d'elle. Et les enfants qui brûlent la maison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas qu'il y a petit don, non, tous les dons sont grandieux. C'est le courage. Moi, ce que mes petits frères n'ont pas fait ça. Allez tous les mois, tous les 6 mois. Non, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Non, vous avez donné ces données, maman. Je vous ai dit tout à l'heure dans le monde, au début, je dirais que une personne qui donne 100 sacs de riz, mais avec un mauvais fond, avec un fond de, comme ce que je vois, qu'ils font ça mal, la paix gonfle. Une personne qui donne seulement 1 500 ou 1 sac de riz, devant Dieu, celui qui est conscient, celui qui donne un sac de riz, ou alors si les deux mêmes donnent avec un cœur d'amour, bah devant Dieu que tu donnes un sac et l'autre donne 100 sacs, c'est le donné qui est donné. On est d'accord. Donc, j'espère que vous allez pouvoir. Monica, je te dis une vérité, parce que si tu veux me dire maintenant, ne m'amènez pas dans votre cercle. Nicole a le droit de se défendre et défendre sa maman, comme tout le monde. Ne viens pas me tourner là. Je le dis, je le répète. Et je n'ai pas eu de personne du Facebook. Mais quand c'est toi, tu ne t'aimes, je ne vais pas te dire. Si tu ne t'aimes, tu vas venir te dire que non, tu as un pour la reine galloise, non. Mais pour cette guerre-là, elle a le droit. Ne venez pas me poser, je ne suis pas dans vos choses-là. Allez rester dans vos types, mais ne vois pas la tête dans ma place ici. Tu vois maintenant que tu vois que quoi? Et ça, vos conneries là, je ne dis pas, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne pète pas. Tu vois maintenant, je vois quoi? Si toi, mets ta main sur Facebook, comme toi, tu dis, soupire, l'espoir, ton enfant ou tes enfants aussi. Ça doit te défendre. Alors, il faut arrêter, hein. On est tous humains, hein. Mais pour la fête de la reine galloise, non. Moi, ils sont et disent ce que je pense. Et ça ne chauffe pas. Swanga Menzim Baba. Et à cause de la reine galloise, c'est Swanga Menzim Baba. Maintenant, tu vois que je vois quoi. Vous pensez que je suis fou, je suis. Moi, j'essaie. Hein? Moi, quand il y a quelque chose, je suis fou. Non, on n'a pas un problème, c'est juste qu'il faut que je me demande, mais là tu vois, je suis pas dans vos choses, allez faire vos guéguettes. Donc, laissez-moi continuer mon chemin avec mon décryptage de vêtements. Donc, Nicole, moi, je vais te dire quelque chose que, honnêtement, il faut laisser tomber la reine galloise, parce que ça ne va t'amener nulle part. Hé, mon Dieu, c'est là. Attendez. Hein? C'est en votre problème là-bas, je m'en fous. Je suis dans mon petit. Je laisse ça comme vous voulez, je m'en fous. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune utile qui peut me parler sans que. Voilà.
On ne dépend de personne. Peut-être mon directeur est venu, non, c'est même pas. Donc, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai vu ça le matin, la reine galloise m'a fait de la peine. Parce que non seulement ça bouffe son énergie, je veux plus que la reine galloise, si je m'écoute, je veux plus que tu fasses le direct pour parler de cette histoire-là. Parce que quand vous voyez même comment elle faisait le clash, écoute, ça me. Elle a beaucoup. Déjà, elle est épuisée. Bon, elle est encore jeune, mais ça l'épuise parce qu'il y a ses enfants, il y a son travail, il y a Asda. Vous vous posez comment quand tu n'es pas sur place actuellement, tu as fait en Afrique, il y a tout ça. Il fallait donner. Il faut voir comment ça se passe. Aussi, le bienfaiteur donne. Tu dis oui, allez dans Asda 2, achetez même le riz. Qui est malade, il y a combien sont malades? Oui, voilà tel médecin. Allez là-bas, tout ça. Il y a encore Luther ici. Et elle est seule. Elle est seule. Elle est dame. Elle est épuisée. Mais c'est le courage humain. Quand elle aura 60 ans, elle ne pourra plus faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Peut-être qu'elle sera au Cameroun, elle ne pourra plus sur place. Ben, c'est fatigant. C'est fatigant. Ne sors pas de ton concept. On va te faire foutre la nouvelle. Ta sorcière. Elle est fatiguée. La reine galloise ne va pas aller bagarrer les coques, tiens. La reine galloise est fatiguée. Il faut voir comment. C'est l'énergie qui bouffe. Vous pensez, regardez comment la reine galloise aujourd'hui, avant, mon bébé était coquette. Elle ne peut même pas prendre soin d'elle. Parce que qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle a trois. Elle en a trois. Elle en a trois. Plus avoir 800 enfants à gérer. Cette dame, c'est une dame appelée, écrivez bravo. Elle est à féliciter. Je n'ai jamais parlé de Asda comme ça. Mais c'est une dame à féliciter. Vous l'avez dit au Cameroun, vous conseillez les autistes au Cameroun. Vous ne les appelez pas les Mongols, les enfants, c'est pas. Qui est parti valoriser les autistes? C'est pas la reine galloise. D'ailleurs, pour moi, dans ce pays, c'est la telle même qui a fait les vraies choses sur la table. Parce que ce qu'elle a fait, c'est honorable. Oui, elle était coquette. Oui, elle des coquettes. Et qui, tu as connu depuis un an, oui, des coquettes. Et qui, quand elle s'appelait Reine Galloise, elle était coquette. Elle mettait ses robes, elle mettait ses perruques, elle fait même le jansang et tout, elle était coquette. Mais tu crois qu'elle peut encore faire tout ça? Quand elle pense qu'il y a 800 enfants, 800 familles, et tout, et les enfants, et ses propres enfants, et le boulot. Cette dame, c'est une dame qui a un moral d'acier. Vous parlez de quoi? Non, vous parlez de quoi? Parce que vous effacez de juger les femmes. Vous êtes couché dans votre vous comme vous regardez Balata. Vous êtes couché dans vos collègues là. Vous regardez Balata. Qu'est-ce que ça se dit? Je ne lis pas les commentaires, mais là, j'ai attrapé un commentaire de ma gourou Jamila. Jamila, bon, j'ai vu ma gourou Jamila ici parce que des fois, quand il y a beaucoup de commentaires, je ne vois pas tout. Attendez. Oh. Elle m'étonne que Janine l'a pris une insulte déjà depuis quand. Je ne suis pas là pour parler du sale Congo, ça qui n'a pas de sens. La mère de Nicole, je m'en fous de colérique qui n'ont pas de sens. Si vous êtes bête et illettré et inculte, c'est votre problème. Je parle des enfants parce qu'on ne va pas venir gâter, couper le pain quotidien. Des pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Vous me parlez de la mère de Nicole et Nicole, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça là maintenant? Je vous parle de la mère de Nicole. Vous pouvez prendre des bêtes. On parle des enfants autistes, des enfants handicapés qui ont besoin de tout, qu'on ne salisse pas ce qui est propre et qu'on ne touche pas leur gamin pas. Vous venez pour me raconter des affaires de la mère de Nicole. Vous entendez, mais vous ne voyez pas que vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Allez nous parler que non. Asda, mon combat, oui, Asda, non, laissez Asda, mais les autistes. Waris, le contact de la mairie de Galon peut l'avoir comment? Vous ne parlez pas de ça. Vous apportez le sale Congo, ça qui n'a plus de sens. Vous n'avez pas honte. La mère de Nicole, a fait quoi que les gens n'ont pas fait? L'âme pis. Vous êtes malade ou quoi? Nicole, laisse Asta tranquille. Vous venez apporter vos choses, les conneries qu'on n'a pas, les vieilles femmes et les vieux pères, même derrière les écrans, vous n'avez même pas honte. Moi, je parle de sa maman, que sa maman a croyé voir avec mon histoire. Je suis là parce que Asda, c'est Asda qui me vient parler d'Asda. Parce qu'on voit les efforts que la reine galloise fait. Pourquoi c'est maintenant qu'on me vient parler d'Asda? Je suis comme vous, vous allez partir, vous allez aller à l'étime. Que même quand votre team n'aime, vous ne dites jamais que non, t'es là d'aime.
Allez faire votre secte loin, pas devant moi. Je n'ai même pas besoin que la reine galloise même réponde encore à Nicole. Ça même, je ne veux même plus. Qu'elle se concentre sur... Elle a jusqu'à 800 enfants au Cameroun. Elle a 3 en Europe. Ça fait 803 enfants à elle seule. Elle a beaucoup à faire. Et que Nicole arrête ça. Tu peux pas entrer sur Asda. Que Asda t'a fait quoi, Nicole? Asda t'a fait quoi? Tu nous as fait quoi? Mais vous venez à mon direct pour me rapporter les inepties. Vous venez par la main. La main de Nicole, est-ce qu'on parle du diable? Je ne dis pas la bonne chose là. Vous avez la main de Nicole, qu'elle a fait le diable. Allez dans les pages où allez parler ça là où on parle avec Nicole. Moi, je suis là pour défendre Asda. Ne mélangez pas les torchers avec les serviettes. Asda fait un combat. Nous ne pouvons pas les fleurs de l'île avec la main de Nicole. Qu'est-ce qu'on a fait dans la couple? C'est Nicole qui me dit là que non. Qu'elle arrête. Qu'elle laisse Asda. Vous venez me dire la main de Nicole, elle fait que vous ne travaillez pas avec maman. Vous vivez comment? Qui insulte le bête? Alors, je vais te bloquer tout de suite parce que je ne joue pas avec toi. Jamila, le bête qui insulte le bête. Alors, Monica, Jazz, va te reposer, tu comprends, non? Je vais te bloquer parce que tu n'es pas venu m'insulter à mon direct. Alors, RIP, bloquer Monica Jazz. Allez, au revoir. Monica Jazz, il faut partir. Va faire les postes maintenant, suivez-toi à bloquer. Tu viens parler fort sur le direct. Elle dit le bête qui insulte le bête. Tu appelles qui bête? Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Je t'ai bloqué, Monica Jazz. Et comme elle est idiote, elle est même dit c'est connerie. Je suis ton ami. Mais le vrai, tu es. Je suis ton ami. Le bête qui est le bête chien. Tu n'as pas honte. Ta vie en Allemagne, à l'Italie, a donné quoi? Une lèvre fière, le gros nez, comme il n'est pas permis. Tu prononces dans ta sale gueule. Elle est même insulté de bête, une chienne comme ça. Là. Mon frère, une salope. Elle parle dans la cuisine. Elle est une salope. Elle est même pour. Une chienne comme ça, la mouf. Quand vous avez le gros nez qui vend les vents au Cameroun, chienne, une prostituée de l'Italie qui vient merder les gens. Parce que c'est comme que tu n'es pas encore fabriqué, mamie. Chienne. Elle était bloquée. Fous-moi le camp. Attendez. Je veux fouiller ça. Je ne sais pas si c'est fouillé ici. Non. Attendez. Une idiote comme ça, là. Moi, j'ai peur de toi. Elle vient même me traiter de bête à mon direct. En parlant du cohérent, où on parle de trucs, la salope vient me traiter. Ah bon, attends. Comme elle est comme une travestie chienne, imbécile, imbéno. Tu me vas à ton direct. Tu t'es bloqué dans le champ. Tu vas me faire quoi? Tu t'es bloqué. Tu sors de visiter vos manioc là. J'ai vu que Mignon, uniquement que tu es connecté, nous regarde. Elle vient me la médique. Vraiment. Une salope comme ça là. Regarde une sale chienne. Tu m'as vu chez vous là-bas. Je vais te direct. Je ne suis même pas au courant de tes directs. Là, tu n'es pas star. Tu es venu par la star de monsieur, où c'est monsieur le mari de vous, c'est le mari de Nicole. Ça t'a amené où nulle part. L'Amazout. Elle vient même dire un bête. Regarde une chienne là-bas. Regarde même celle qui parle à quelqu'un. Viens regarder comme une fille, comme un nom. Regarde une chienne comme ça. Là, elle a même ça à son WhatsApp. Ce n'est pas toi ici. Tu viens ceux qui ici, salope. Tu appelles qui bête. Tu es malade. Monica Jazz, tu es malade, Monica Jazz. Regardez une personne qui fait insulter les gens. Tu es malade, mamie. Tu m'as vu chez toi. Tu vas me le dire. Tu es qui se met là. On parle en truc. Est-ce on parle en truc. Je dis les bêtes. Je dis bêtes, 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 bêtes. Je m'en fiche. Par exemple, vous êtes bêtes, parce que vous ne vous mélangez. On parle de Asda, les enfants de Mimi. On ne parle pas. Du coup, on parle de Asta. Où on dit à Nicole de laisser Asta parce que les enfants là, il ne faut pas qu'elle vienne gâter. Même si elle gâte, est-ce qu'elle a quel pouvoir pour gâter le gars appelle Asta. On parle des enfants de moi, je l'appelle parce que moi dans ma famille, il y a un autiste. Mais ce n'est pas sévère. C'est de ça qu'il s'agit. Elle vient même dire un bête, même une chienne comme ça, elle est qui? Ivana m'a dit, nous sommes tous bêtes à ça. Mettez les gars, je suis là. Vous voyez par exemple les commentaires comme ça, je ne peux pas vous bloquer. Parce que tu vois, elle vient de commenter, moi tu traites de bête alors, nous sommes tous bêtes alors, ça me fait rire. Mais elle vient commenter un bête qui est mouf bête, si vous appelez ici. Oui, déjà si. Bon, Monica Jazz, tu voulais te faire connaître, tu voulais te faire remarquer, fous-moi la paix. Je ne viens pas dans tes lives.
Elle ne connaît même pas si tu fais les tirettes. Là. Va pondre les œufs là-bas, je n'ai rien à foutre. Vous savez que quand vous respectez, tu viens à manger, t'as appelé chez moi, elle me dit que dans Tchadina, vous mélangez qui dans votre bouillabaisse, c'est comme vous. Vous ne réfléchissez pas quand vous parlez des choses. Vous ne regardez pas la réalité. Elle vient à elle et dit, voilà donc, tu comprends maintenant que Nicole m'a fait. Je parle de Nicole comme elle peut décrypter. Toi, tu ne connais pas tes tirettes, elle ne pas décrypter. J'ai cru au moment de que tes tirettes allaient me faire tourner parce que tu parlais de monsieur le mari de Nicole, c'est monsieur. Ou c'est Janini, ou c'est Canini, je ne connais pas mon nom là-bas. Ça n'a même pas pris. Tu as pris le mari de Nicole. Toi, comme tu l'as dit, le buzz aussi est fini comme ça a commencé. Quand les amis ne te soutiennent pas, c'est quand même chaud. Hein. Je dis, je répète, pourquoi je l'avais insulté? Parce que je parle un truc qui concerne les enfants autistes. Je parle un truc qui concerne les enfants autistes ou les handicapés. Et que Nicole ne doit pas insulter les enfants handicapés. Vous vous ramenez les histoires que la mère de Nicole avait fait que oui, Nicole avait insulté. Non, non, ce n'est pas ça qu'on demande aujourd'hui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que vous parlez toujours. Je vous traite souvent de bêtes parce qu'on parle des enfants autistes. Parce que moi, quand ils voient ça, moi, est-ce que moi je suis autiste? Est-ce que moi je suis handicapé? Pour l'instant, non. Mais quand je sors là, c'est parce que c'est que non. Si Nicole commence à faire des trucs comme ça, c'est les petits enfants qui sont nés comme ça, ils n'ont rien demandé. Et le courage de cette dame-là, c'est de ça qu'on parle. Du courage de la reine Nébio, de la reine galloise. On ne parle pas de la mère de Nicole. On ne parle pas du Komosa. On parle de Afda, qui est une chose honorable que la reine galloise a mise au ciel. Soulever cette chose. Donc, pourquoi vous avez le commandant à mon tiré? Parmenez le vôtre là. Si elle dit non, bête. Elle est bête. Je n'ai pas dit qu'elle est laide. Tu viens le faux profil. Je ris dans l'eau. Je n'étais jamais vu chez papa. Elle est belle. Je n'ai pas dit qu'elle est laide. La voici ici. C'est elle qui a mis ça sur son WhatsApp. Moi, je suis dans aucune team. Je m'en fiche de l'ingénieur. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais les commentaires embrouillent. Merci. Elle dit bien qu'elle n'est dans aucune team, Audrey Kawai, mais elle a compris ce que je suis en train de dire. Vous mélangez tout. Vous mélangez. Même quand on parle des enfants autistes qu'on doit donner à manger, on doit soigner, vous ramenez tout le coup. Donc, Fleur de Lis, la mère de Nico, mais c'est où le rapport là qu'on parle des enfants handicapés qui, en plus, même que nous bavardons l'éléphant. Il s'agit du boycott de la reine galloise. Fais pas Nicole à décasser malgré la. Voilà, merci. Merci au moins, Canel Guada. Vous comprenez ce qu'il s'est en train de dire. Ce n'est pas le moment du Njapap. Le jour que je vais faire le Njapap, que lui, Nicole, vous venez me l'inverser. Là, on parle des enfants démunis qu'on ne doit pas toucher. Tu as fait. J'ai dit. Je vois pas de problème. Il va te dire le mari. Elle m'en fout. Elle est malade. Quelqu'un qui le fait. Je la débloque si je veux. Si vous m'avez parlé, la débloque. Si je ne la débloque pas. Donc, j'ai dit à Nicole, je répète encore, ne mélange pas le Njapap avec les œuvres humanitaires, surtout où on aide les enfants handicapés. C'est-à-dire. Tu peux faire défendre ta maman, mon combat, tout. Ça, c'est le Njapap qui ne rapporte rien. Mais les œuvres humanitaires où on nourrit les handicapés, je redis encore, tu ne dois pas t'attaquer à ça. C'est ça que je te parle de Asta. Depuis, vous ne parlez même pas que Asta, mon combat. Vous êtes même sûr que vous aimez la reine galloise. Je vous insulte bête parce que vous mélangez. Parce que vous mélangez entre Asta, comme parle des enfants, ou vous m'amenez sur de la main. Non. J'ai dit à Nicole, ne mélange pas. J'ai dit, ça allait regarder mon direct au début. J'ai dit, Nicole, que tu as ta maman. Je suis d'accord pour le combat de ta maman. On n'a pas le droit de publier à ses sa maman. Donc, je parle du combat de sa maman. Je l'ai dit et je l'assume. J'ai dit, tu peux encore te défendre maintenant, toi. Mais c'est pas parce que tu as vu la reine galloise avec Flore que tu veux t'attaquer à Asta. Ce n'est pas le Congo, ça. Je l'ai dit. Donc, ça veut dire que si tu es contre vous, si tu es contre moi, tu vas peut-être aller peut-être attaquer Rona Clément. Je suis désolé.
Allez, Ben, allez, va te reposer, sale petite pisseuse de l'Olomania. Au revoir, bloqué. Sale chienne. Allez, mouf, dégage mon mur. Moi, je suis ici. Tu vas donc pas me dépasser. Balata la balata, je suis pas dans mon coin ici. Donc, grosso modo, si vous avez mal compris, je disais à Nicole que si elle veut défendre sa maman, la cérémonie, tout aussi son combat. Mais par contre, qu'elle ne quitte pas ça parce que Flore de l'été avec la reine Gallo, parce qu'elle va passer la reine Gallo, elle ne lui a rien fait. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, maintenant, si vous prenez mal, allez vous faire foutre ce qui. Pas vous, hein. Parce que moi, je vous connais à quand. Moi, mes contacts qui sont là, ils vont s'amuser là. C'est Audrey Kawai qui vous maîtrise. Vous allez commencer à commenter ici, commenter. Mais tu ne veux pas m'insulter, moi. Pourquoi, moi, pourquoi les Lulumaniens ne sont pas les. Les abeilles que voilà ne m'insultent pas. Pourquoi ils ne m'insultent pas Oui, voilà, voilà, ça, Sophia Bossu qui dit Flore les a dépassés. Maintenant, c'est sur la reine galloise. C'est les commentaires comme ça qu'il fallait mettre. Ben, tu as manqué beaucoup de. Moi, j'ai boycotté la reine galloise. Non, non, vous manquez. Non, non, elle-même sait qu'elle est moins qu'une fois, vous manquez. Donc, vous voyez donc ce que vous dites. Oh oui, bébé, mouf, je vous chasse. Je vous ai chassé. Allez faire ça chez vous là-bas. Ce n'est pas votre maison ici. Ici, regardez les années, comment ils sont là, ils sont juste faits. Il veut savoir du tir. Regardez, deux Lolomania a déjà fait des personnes malades. Je vous insulte, vous allez vous couper. Vous allez vous faire un petit peu. Je vous ai chassé. Allez, ma table chez vous, si vous avez envie de me voir chez vous. Dans ce cas, même si vous me voyez chez vous, vous ne pouvez pas avoir mes commentaires. Je vous chasse. Vous voyez, vous voyez, voilà les gens. Voilà les abeilles qui sont insultés. Il ne résiste pas. Il combat des animes. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Des fois, avant, on disait que les abeilles sont haineux. Les abeilles ne sont pas haineux. Je n'ai même pas vu une tête cassée commenter ici. Quand les tête cassée n'aime pas de commenter. Vous êtes haineux. Mais il est haineux. Vous venez avec votre haine sur le mur de qui? Oh, je vous ai chassé. Allez faire les directs. Donc. Allez pleurer, et vous allez chasser. Même si on est une femme, vous annonce, vous le direz. J'ai le temps. Alors, allez soutenir Asta. Moi-même, je vous promets que quand je serai là-bas sur place, ou si je ne pars pas sur place, je vais envoyer ma maman. Allez faire des surprises à Asta. Même si c'est 100 000, c'est beaucoup. Qu'elle donne souvent l'enveloppe à Asta. Même si c'est 100 000, c'est beaucoup. Allez faire un tour sur Asta. Sinon, moi, qu'elle va aller, vous me verrez à Asta. Parce que c'est un truc noble et c'est un truc qui est louable. Moi, j'aime pas les trucs concrets. La reine galloise a fait ce que personne sur Facebook n'a fait. Moi, je ne sais même pas si elle m'a fait même un tiers, parce que moi, je me connais avec la fatigue. C'est lever, aller valoriser les autistes. Mais c'est acclamé. C'est acclamé. Il met tout le cœur, c'est vrai. La reine galloise a fait un truc. Moi, je vais te dire un truc avant de gâcher. C'est pas parce que la reine galloise était avec Flore de l'Été que tu vas partir. Non, mais franchement, je ne te comprends plus, Nicole. Enfin, finalement, ton combat, même, ça vient avec le tapioca, avec le sucre et l'eau. Je suis désolé. Ton combat devient comme le sucre avec le tapioca. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es là, tu fais. Même la guerre, même la meilleure femme, il a laissé, maman. L'argent qui est en Europe, même si c'est tous les jours tu as 100 euros, 120, 150, 80, 50, c'est de l'argent. Même travail que tu fais le ménage, il ne mais c'est le moani. Vous pensez quand nous on chine là, c'est parce que nous on fait comment? Vous pensez quand nous on mange comment on fait la personne fait comment? Laisse Asta tranquille. Je ne viens pas te dire ça parce que peut-être tu peux faire les tâches. La reine galloise, elle va même plus te répondre. Il faut laisser Asta tranquille. Il faut laisser Asta tranquille. Il y a 800 enfants qui attendent de quoi manger. Toi, tu n'as même pas même à deux enfants là-bas. Donc, c'est pour dire qu'il y a 800 enfants qu'elle n'a pas mis. C'est même pas que c'est elle qui a emporté 800 enfants, mais c'est la famille. Non. C'est les Camerounais que la reine galloise prend comme ça, elle nourrit. Tu te disperses trop. 800 enfants à nourrir au Cameroun. C'est une ville.
que tu nourris. Vous parlez de quoi? Il y avait les villes de 200 habitants, donc ça fait 24 villages. Elle nourrit elle seule. Non, Nicole, mais c'est qui, moi? Moi, c'était mon message. Le reste, je ne suis pas avec vous. Je vous ai bloqué. Allez pleurer. Je vous ai bloqué. Allez pleurer. Je vais vous débloquer comme un supplé que vous dites. Je ne vous débloque pas. Allez pleurer. Parce que vous ne connaissez pas le sens, je dirais, de quelqu'un. Vous venez avec vos conneries. Là, on parle des amours. Je suis en train de combattre mes frères camerounais qui sont 10. Voilà. Comme vous avez honte, vous négligez le travail de la reine galloise parce que ce sont les autistes, parce que vous êtes plus normaux que les autistes. Des autistes, vous nous êtes autistes. Prenez ça comme une injure, une place. Ceux qui viennent parler mal. Toi, m'écoute, hein, honnêtement. Tu pleures sur Onika. Mais oui, mais tu as raison. Tu vas pendant vous commenter. Moi, je ne veux pas vous dire que vous mentez. Vous pouvez venir dire, moi, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Elle part abaisser, humilier, et la reine de la passée avec Flo. Je suis désolé, ce n'est pas ça le combat. Et c'est ça la vérité, Nicole. La reine galère ne t'a jamais rien fait. Elle t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Non, elle ne t'a rien fait. Elle t'a rien fait, il faut dire, elle t'a rien fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non. Maintenant. Vous le prenez mal. J'ai bloqué Berk et Yvette avec je vous ai bloqué avec Monica Djajima pour aller faire le direct. Je ne peux pas vous voir parce que vous êtes bloqué. Je vous ai bloqué. Vous venez avec vos choses. Donne le direct de qui? Elle dit même que lui-même, qui? Elle a raison, Kané Guadala, Gilbert. Elle dit que ce n'est pas pour autant parce que elle était à côté de Flore que ça m'attend. Mais tu ne vas pas partir acculer une dame de lui et elle a regardé tout le fardeau que la reine Gadoise a. Toi, non, Nicole, mais Nicole, comment je te comprends, t'as vraiment. Ton père là, quand tu dors, tu lèves, quand tu peux aller direct là-bas. Moi, il me faut trouver 400 euros aujourd'hui. Je te dis d'abord, Nicole, moi, il me faut trouver 400 euros aujourd'hui. 400. Je dois solder un problème vendredi. Il me faut 1000 euros. Vous levez, vous faites le clash, vous êtes même pour vous faire quoi même? Un simple, c'est plus là qui dort même. Wombo, woyo, à chacun sa chance. Woyo, la vie c'est la chance. Allez pas de mal, vous êtes bloqué. Bon, écoute, hein, n'oubliez pas d'aller faire une touche la reine galloise. Allez encourager la reine galloise. C'est une dame qui a beaucoup. Vraiment, c'est une dame qui est bénie. Parce que vraiment, ce qu'elle a fait, les gens diront que non, elle est pesco. Mais elle ne va pas faire la guerre avec tous les proches de Flore. Parce que si moi, je calcule, si c'est Flore et moi, on engage, je fais que Flore et moi. C'est une pauvre dame comme ça, quand on dit pauvre dame, c'est parce que je compatis sa douleur. Aucun intérêt Audrey Kawaii. Vous clashez même quoi, même le pépé et Doublion, là, même tous les jours. Mais à clasher, vous ne travaillez pas. Ok, nous, on ne travaille pas, mais nous, on gagne beaucoup d'argent avec. Vous vous dormez. Vous vous levez, vous faites les guéguets de quoi? Les guéguets de quoi? Je t'avais dit une fois, c'est là que je me concentre, qu'on me laisse tomber les trucs là. Tu as à parler, passe à autre chose. Mec, c'est l'euro. Tu vois, le 2 euros aussi. 1300 ou 400 euros. 50 centimes, c'est 325 francs. Ben, c'est l'euro. Ben, c'est l'euro. Ben, c'est chercher l'argent. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Voilà, le quelqu'un qui n'est pas pu fidé manger. Hein, mon fou. Je dois partir tout à l'heure dans ma campagne. Je reviens. Je veux l'argent. Le temps que je pense comment. Il faut que je meuble ma maison, mon nouvel appartement. Tout ce que j'ai là-bas, je vais partager gratuitement. Je vais partager gratuitement. Je pense que moi, je vais faire le devis comme m'a donné là, même si c'est en 1 mois et demi, 2 mois. Mbeg, c'est chercher le dien, comme les Ivoiriens disent. Le dien. On te parle de Mbeg là, c'est quoi, maman? Vous dormez seulement, vous levez, vous faites les problèmes, maman. Restez, vous dormez, maman.
Regardez le sucre. C'est un jour quand vous partez à vacances, on dit que hey. Non, mais c'est vrai, c'est que tu as raison, Audrey Kawai. Tu peux m'envoyer l'appel, mais tu caches ton visage. Tu as raison. Oh, Mbeng, c'est le djer. Mbeng, c'est chercher l'argent à l'école. Voilà même le fou de Tobio. Quand j'avais vu votre coalition, j'avais dit que Nicole était fou. J'avais dit que, mais pourquoi tu me vois comme ça, Mbeng? Mbeng, c'est gagner le gagne. C'est là que quand tu peux au Cameroun, tu vois même que même celui qui te met même un euro a quand même son deux chambres, son $1. Toi, tu arrives, tu vas acheter des appartements. Toi, tu arrives, il y a rien. Non, quand même. Quand même. Quand même. Tous les faux profils qui nous sont la plupart là travaillent. Donc, qui vend le piment, les affaires, le travail normal. Ils gagnent leur pain. Hein? Vous gagnez quoi? Moi, je ne suis pas des réseaux sociaux, donc je m'en fous. Moi, je m'en fous. Parce que moi, regardez même, remarquez, parce que si j'annonce le direct, c'est comme si je calcule les heures pour dire que demain, révélation, j'ai le temps. Il faut chercher l'argent. Tu es comme moi, tu as ta mère en Afrique. Il faut penser à. Regarde, comme avec tout ce que j'entends là, et tout ce qu'on voit là. Non, mais maman, je suis une femme. En fait, toi, tu es une femme. Combien de femmes alors qu'ils sont un homme? Mais lève encore un peu. Moi, alors qu'ils sont un homme. Moi qui suis un homme. Moi qui suis un homme. Moi qui suis un homme. Moi, il faut une place. Moi, tu m'as bonjour, tout le monde. Moi qui suis un homme. Allô, maman. Oui. Oh, allô. Oui, ton petit frère est malade. Hein? Oh, devant que c'est faux. Devant, c'est pas faux. Mais le rôle du frère, c'est quoi? Ou le rôle de l'enfant qui en est. Nous sommes deux ici. Nous sommes deux. J'ai dit à ma soeur que non. Tu as accouché mes deux enfants, non, mes nièces. Mon neveu, laisse-moi, je m'occupe de tout du Cameroun et tout. Quand tu peux, tu vas donner. Oh, oh, vraiment, mon fils, où tu vas là, devant quand les parents même veulent l'argent, peut-être qu'il y a peut-être un mariage ou bien elle veut les habits pour acheter, je te dis, ça ne va pas. Il faut que je parte faire les examens et mon frère, c'est 50 000. Tu vois, tu n'as même pas, tu dis, ouais, tu veux faire comment là? Ouais. Tu cherches comment tu as trouvé 50 000 là. Tu envoies. Ben, ta maman doit être en santé. Ton frère doit être en santé. Ouais, allô? Oui, c'est alors quand il y a les rentrées, les scolarités. Oui, allô? La rentrée tel jour. Oui, pour les trois, parce qu'il y a un adoptif et deux. Oui, il faut d'abord, on dit que la première tranche, d'abord ici là, c'est 70 000 ici, 65 000 là-bas, 80 000 ici, et puis l'inscription c'est 21 000. Après les tenues pour 18 000. Après, c'est toi qui vas payer tout ça. Quand tu penses qu'il faudrait poser le gars 750 €. Et les fournitures, et les sacs, et les ceci, et les cela, tu dois poser 500 000 là-bas, tu déposes au sol. Ça, c'est toi seul. C'est pas quand vous voyez, mais je suis dit, mais hey, attends. On peut dire que Barata de travail. Mais moi, je travaille ma face. Mais c'est pas pour autant que je vais pas venir vivre ma vie. C'est fait son port. Son port. Je suis ici pour regarder sur le Facebook. Donc, sur ce, je vous aime. Je vous adore. Asda. Allez, fends-toi, Asda. On a bien rigolé. On s'est bien amusé. Et si les gens ne comprennent pas souvent les mots de ce que quelqu'un dit, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas venu là pour le Congo, je suis venu pour Asda. Parce que Asda, on peut avoir aussi sur les enfants autistes qui sont handicapés. Alors, ne mélangeons pas nos clashs de Facebook à les attaquer aux enfants démunis. Surtout les enfants qui sont autistes. Voilà. C'est ce jeu. Merci beaucoup, Carnel Johnson. Merci beaucoup derrière. Donc, n'allons pas s'attaquer aux enfants qui n'ont rien demandé. Surtout que vous savez d'où on vient. Les femmes ne venant pas comme si. Avec tous les vrais problèmes qu'il y a dans la vie, n'est-ce pas, Audrey Kawai? N'allez pas faire semblant, vous savez, tout ce qu'on a dit au Cameroun, il n'y a pas des aides financières qu'on donne passer par là. Et si une dame se lève comme ça, qu'elle parle de ces Galloises, ou ces pays de Galles, pour aller en Afrique, aller s'occuper des gens et tout ça, c'est elle qui a mis au début. Après, les gens l'avaient contribué avec la bénédiction de Dieu. Parce que, bon, Dieu ne laisse jamais. On ne peut pas venir toucher ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop de poids à insulter. Allez attraper Niva qui vous insulte. Attraper même, je ne sais pas moi. Attraper Mini Mino vous insulte. Attraper Florent même vous l'insultez.
Mais cette dame-là n'a rien demandé. Laissez les enfants autistes. Ce qu'elle fait au Cameroun, elle n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est pas vous êtes traité de bête. Ce qu'elle fait au Cameroun n'a rien à voir avec ce qu'on fait là. Je vous aime. C'était Balatana Balatos. Bisous.